بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اليوم في درسنا هذا سنشرع في شرح شهادة ان لا اله شهادتي ان محمدا عبده ورسوله، بعدما شرحنا في الدرس الماضي شهادة شهادة عفوا ان لا اله الا الله وذكرنا شروطها والان سنشرع في الصنف الثاني من الشهادتين الا وهو شهادة ان محمدا عبده ورسوله وقال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل شهادتي Dans le précédent corps nous avons expliqué la, la profession de foi, la shahada, comme quoi il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en Allah, subhanahu wa avec les sept conditions. Et certains savants disent qu'il y en a huit. Nous les avons évoquées toutes. Aujourd'hui, nous les allons euh, expliquer L'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Ce qu'elle incombe comme, comme condition. Ensuite, nous passerons aux autres piliers de l'islam. Donc, dans le verset, Allah dit Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. L'expression ici "pris parmi vous, c'est-à-dire qu'il est de votre tribu, vous le connaissez. أن لا إله إلا الله متلازمة شهادة أن محمدا رسول الله متلازمة لشهادة أن لا إله إلا الله فهما شهادتان متلازمتان لا تنفع إحداهما إلا بالأخرى Donc ce sont deux, la double attestation, elles sont imbriquées les unes les autres. Elles dépendent l'une de l'autre. L'une n'est valable que par l'autre. On ne peut pas attester qu'Allah est le seul qui est digne d'être adoré Et nous ne suivons pas le prophète. Et nous ne pouvons pas dire qu'on obéit au prophète sans croire en Allah. Le meilleur de ce verset, c'est que le prophète a été envoyé parmi vous. Il fait partie de votre peuple, de votre tribu. Et il est plein d'intention à votre égard, en recherchant ce qui est bénéfique pour vous et en repoussant ce qui est néfaste pour vous. C'est-à-dire qu'il vous, qu vous... Ce qui vous indispose, l'indispose tout autant. Et il cherche l'intention et la bienfaisance pour vous, ce qui est bénéfique pour vous. Et qu'il est plein de compassion et de, miséricorde, et de miséricorde pardon pour les croyants. Et pour les croyants exclusivement. Et cela, nous l'avons déjà évoqué, si vous si vous, vous souvenez en tout début de l'introduction à l'explication des trois fondements dans Bismillah ar-Rahman Rahim. Et nous avons dit que Rahim, il peut être attribué à Allah, mais il peut être attribué aussi à autre qu'Allah. Et, et nous le voyons aussi que dans ce verset-là, il est attribué au prophète. Il est miséricordieux envers les croyants, donc compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc qu'est-ce qu'elle incombe cette... اتستاسيون كمحمد لم يساجد الله. لو سونس دو سيت اي لو معنى شهادة ان لا اله الا إيه ان محمد رسول الله هي طاعته فيما اخبر وتصديقه فيما طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وان لا يعبد الله الا ب Bimashara. Le sens de l'attestation que Mohammed est le prophète et le messager d'Allah est le suivant le sens, c'est obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il nous fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Donc, toutes ces caractéristiques liées à la personne du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يثبت انه هو فعلا الله كما الله سبحانه وتعالى في الايه القرآن محمد رسول الله محمد هو الرسول الله والاقرار هنا لا بد الاقرار باللسان والاعتقاد بالقلب ان محمدا ابن عبد الله القرشي الهاشمي رسول من عند الله وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين والدليل قوله تعالى محمد رسول الله وما محمد إلا رسول وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Donc nous avons différents types parmi les versets du Coran, où il fait mention que le prophète est le messager d'Allah. Certes, Mohammed est le messager d'Allah. Oh, vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Il dit également qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Donc cette attestation implique d'attester de la véracité des propos du professeur de se conformer à ses commandements et de s'éloigner de ce qu'il a interdit de réprimer et de n'adorer Allah, qu'au moins de ce qu'il a légiféré. Et nous avons différents versets où il est mention comme quoi il est obligatoire d'obéir au professeur. Parmi lesquels, « Nous n'avons envoyé le messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah » également d'autres versets où il fait mention de cela, tels que euh, celui ou quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Nous avons dans d'autres euh, hadiths, là nous avons évoqué des versets. Il y a dans le hadith qui dit kullokum le Prophète nous l'avons déjà vu précédemment dans un autre cours, « Allesa Rasulallah الجنة إلا من أبى فقال الصحابة الصحابة رضي الله صحابة رضي الله عنهم ومن أبى ومن يأبى يا رسول الله فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى lorsque le prophète a dit donc pour corroborer ces propos là concernant l'obéissance du prophète sallam il a dit celui il a dit tous vous rentrerez au paradis sauf celui qui ne veut pas Et le il a dit, il a, il a dit, qui est-ce qui ne veut pas au oh, prophète Il a dit, celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit, certes, entrera en enfer. Donc il ne veut pas entrer au paradis. Ta'atuhu fima amar, aï la budda min ta'atin, li qawli ta'ala wa ma arsanna min rasulin, illa li ta'a bi idhnillah. Faman istakbara, wa abal iltizan bi ta'atihi, celui qui désobéit ou qui est arrogant, qui ne veut pas obéir au prophète, celui-là est certes mécréant. celui qui délaisse entièrement l'obéissance au prince qui se détourne de son suivi et de son obéissance, est un mécréant. Mais celui qui le... Qui se détourne d'une partie de son obéissance ou qui le désobéit dans certains ordres, de certaines recommandations. Celui-là, on ne dit pas que c'est un mécréant. on dit que c'est un désobéissant. Enfin, il est musulman, mais désobéissant. Il commet un grand péché dans cela. En fonction, bien sûr, du degré de la désobéissance. fima akbar. Le fait de croire à toutes les informations qu'il a rapportées, de les croire comme véridiques, et le fait d'écouter ses ordres, ses recommandations, ses commandements, et de s'éloigner de tout ce qu'il a interdit. C'est-à-dire de n'adorer Allah que parce qu'il a... Légiférer. Et vous avez par exemple d'autres hadiths qui disent que celui qui vient avec une chose que personne n'a pas apportée, celle-ci est rejetée. Et l'une des conditions de l'acceptation de l'adoration, c'est qu'elle soit sincère pour Allah et qu'elle soit en conformité avec ce, ce quoi le professeur Sallallahu est venu. Celui qui introduit dans notre présente affaire ou notre religion, ce qui n'en fait pas partie,

ainsi que d'autres preuves parmi le Coran et la Sunna. Donc voilà en ce qui concerne l'attestation comme quoi le Prophète est le messager d'Allah, avec ce que ça implique comme condition dans le fait de lui obéir et de s'éloigner de ce qu'il a interdit et de croire à tout ce qu'il a rapporté et de n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. C'est ma Al-Musannif الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة لا nous avons fini avec l'explication de l'attestation que le prophète est le messager d'Allah. Nous allons passer maintenant au troisième, au euh, aux quatre autres piliers, parce que là, nous avons expliqué le premier pilier qui est la double attestation. Maintenant, nous allons expliquer les autres piliers. Donc la preuve euh, au sujet de la, du pilier de la prière, de l'aumône légal, la zakat et l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Donc ce verset est général et il englobe toutes les formes d'adoration. Donc il est obligatoire à tout individu d'être sincère envers Allah et d'être un pur monothéiste et de suivre sa législation. Ensuite, il parle de d'accomplir la prière. As-salat hiya ar-rukn ath-thani min arkan al-islam. Wa sha'nuha sha'nuha 'adhim jiddan fi al-islam, fa hiya 'amoud ad-din. Hiya akhir ما اخر ما يفقد من الدين واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه وبه يتميز المسلم والكافر وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار وهي وهي العمل الذي شرعه اي الصلاه شرعه الله سبحانه وتعالى في السماء ليله الاعراج ليله المعراج والاسراء الصلاه من تركها جاحدا من ترك جاحدا وجوبها فهو كافر بالاجماع ومن تركها تكاسلا وتهاونا فانه كافر على الصحيح من اقوال اهل العلم وذكرنا ذلك في شروط الصلاه ان هذه المساله فيها خلاف دونك لا nous allons nous allons parler du deuxième pilier qui est la prière la prière qui est le deuxième pilier le plus important de l'islam Et son affaire est très très importante. La salat est énormément évoquée dans le Coran, dans différents versets. Et elle est souvent accompagnée avec le terme de zakat. Elle est le pilier principal de l'islam, de la religion. Et c'est la première des choses que le, la personne va être questionnée yom al qiyama. Wa ida saluhat sa'ir al-a'mal wa ida fasadat sa'ir al-a'mal » Si la salade a été bien accomplie, tout le reste des, 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 des adorations sera, incha'Allah, euh, euh, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, si celle-ci a été mal accomplie, face euh, euh, sa'il al a'mal. C'est-à-dire même les autres actes euh, les autres actes d'adoration vont en découler. En fin de compte, la prière, c'est le mizan. C'est la balance par rapport aux autres actes d'adoration. Si la prière est bien faite, le reste va suivre. Si la prière est mal faite, elle n'a pas été acceptée, le reste suivra également. Et nous avons euh, évoqué également dans Shurut Salat, dans un autre Dars, concernant le fait de, de faire la prière et concernant la personne qui délaisse la prière volontairement. Et nous avons évoqué cela avec Dataï dans nos autres cours. On nous avons dit que celui qui euh, renie le caractère obligatoire de la prière est un peu mécréant. D'après le consensus des savants, alors que celui qui la délaisse par fainéantise, par paresse, il y a deux avis. Nous avons dit que Cheikh Ibn Al Qayyim, il a écrit un livre à ce sujet, qui fi Kitabihi à Salat, où il évoque l'avis des deux, des deux, des deux camps. Chaque camp, en fin de compte, a ses, ses preuves. Nous avons dit que l'avis qui est prépondérant parmi les savants de la Sunna est que celui qui délaisse la prière est mécréant. Et ça, c'est surtout euh, l'avis de l'imam euh, Ahmed. Et l'avis des trois autres Aima ils disent qu'il n'est pas euh, mécréant. Entre l'homme et la mécréance et le polythéisme, c'est le fait de délaisser la prière. ce qu'il y a entre nous, entre eux, et, entre nous et eux, c'est la prière celui qui la délaisse certes il a mécru abdullah bin shakir a tébîr en bin abisa le unashay yâminâl abdullah bin Shaqir, qui fait partie des suiveurs des compagnons parmi les tabi'in, il, il a dit les, les compagnons du prince anselm ils ne voyaient pas une chose dont les actes le fait de délaisser ces actes là comme un acte de mécréance en dehors de la salade. C'est-à-dire tous les autres actes, s'ils étaient délaissés, ce n'était pas un acte de mécréance, sauf la prière. Ayoub Sartiani dit, le fait de délaisser la prière, c'est un acte de mécréance. Où il n'y a pas de divergence concernant cela. Et la prière, d'où son importance, c'est la seule adoration qui a été qui a été révélé pardon professeur Selim dans les cieux alors que toutes les autres adorations telles que le pèlerinage la zakat le jeûne etc ont été révélées sur terre et la salate tellement elle a un poids très important et elle a une importance capitale elle a été révélée au-dessus de ces cieux.

euh, le nous allons en parler lorsque nous allons évoquer un livre de fiqh, nous, nous, nous expliquerons un livre de jurisprudence. Nous détaillerons bien sûr tout sur la salade, sur la zakat, sur le jeûne au moment euh, opportun. Voilà. Concernant la zakat, donc elle est obligatoire donc, dans certaines catégories euh, euh, de choses telles que euh, l'or, elle, elle est obligatoire pour l'or et euh, l'argent. Elle est également obligatoire pour l'argent en valeur, c'est-à-dire le no un quarantième, c'est-à-dire 2,5%, dans les bestiaux, tels que les chameaux, les vaches et les, et les, et les, et les ovins, les ovins, les bovins et les, et les chameaux. Elle est aussi obligatoire pour tout ce qui sort de la terre. Après, nous, nous verrons ça en détail dans un livre de Fir, il y a des choses où, où il n'est pas obligatoire de sortir la zakat tout ce qui est commerce donc elle est obligatoire aussi dans, dans tout ce qui est action commerciale l'achat et la vente de produits c'est-à-dire que la zakat elle est obligatoire si nous avons le nisab c'est-à-dire que tu, tu as la quantité minimale pour pouvoir sortir la zakat et la date elle est arrivée à terme il est obligatoire de sortir la zakat expressément sans la retarder ensuite nous avons le quatrième pilier qui est le jeûne donc, le jeûne, la parole réside dans. La preuve concernant l'obligation du jeûne. Oh, vous les croyants, on vous a prescrit un jeûne. Le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous la piété. Euh, donc, concernant le jeûne, le jeûne, il est connu. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Siyam Ramadan. وهو سر بين العبد وربه ولذا أختصه الله سبحانه وتعالى بالجزاء عليه وقول وقال النبي وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث وأنا أجزي به وأنا أجزي به donc toutes les adorations sont pour Ibn Adam sauf le jeune il est pour moi et c'est moi qui récompense mon serviteur concernant le jeune شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والصوم il dit ainsi atteindriez-vous la piété donc le mois de Ramadan euh, durant lequel a été révélé le Coran et euh, le, 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 le jeûne, c'est le fait de cest le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports et de, 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 de faire tout ce qui est que Allah a interdit depuis donc, le Fajr jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, le cinquième euh, pilier qui est, est le mois de Ramadan. Donc, la zakat, c'est une fois par an. رمضان سي ان موا والحج واجب في العمر مرة واحدة على المستطيع من وجد الزاد والراحل وجب عليه الحج على الفور من اقوال اهل العلم دونك لو بيلغيناج لا بروف ريزيدونس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله ومن كفر وان الله غني عن العالمين Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller au pèlerinage. Euh, 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 quiconque ne croit pas, Allah se passera largement des mondes. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Donc le Hajj ici comme condition, c'est le fait d'avoir les moyens et d'avoir aussi... Euh, 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 la capacité physique, la capacité financière et aussi le fait d'avoir le moyen de locomotion pour pouvoir effectuer le pèlerinage. Et celui qui en a les capacités financières et physiques doit le faire expressément euh, d'après euh, les paroles des savants. Voilà en ce qui concerne donc le pilier de, du pèlerinage. voilà Ensuite. Donc là nous en avons euh, fini concernant les cinq piliers de l'islam et dans le prochain cours inchallah nous allons évoquer al martaba c'est-à-dire le deuxième degré qui est la foi. Voilà. Wa jazakum Allahu khayran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ta'ala a'la wa a'lam.